Bonjour et bienvenue sur Girondins TV pour ce flash de l'été. Alors comme vous le savez, depuis dimanche maintenant, les Girondins sont dans la station thermale de Divonne-les-Bains pour le stage de préparation. Beaucoup de travail au programme avec notamment hier deux séances très exigeantes. Le matin, footing et musculation et l'après-midi, jeu balle au pied et opposition 8 contre 8. Notre journaliste Olivier Faure est en immersion 24 heures sur 24 avec les Girondins. Il a donc assisté à ces deux séances. Son reportage. Gainage, en fait, ça évite beaucoup de problèmes et on s'est aperçu qu'en faisant régulièrement du gainage, eh ben on évite des problèmes de dos, des problèmes d'adducteurs, des problèmes liés entre guillemets à la pubalgie. Donc c'est des exercices d'abord qui sont statiques et qui sont efficaces, surtout à long terme en faisant souvent, régulièrement. Répartissez-vous sur tout le terrain. Quand vous faites, les gars, on fait un tour dans un sens, un tour dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand vous récupérez en marchant, vous repartez de l'autre côté, d'accord ? Bon, c'est vrai, c'est ce qu'on n'aime pas trop faire, mais bon, derrière ce qu'ils font, c'est ce qu'on n'aime pas trop faire, mais bon, on a besoin si on veut tenir physiquement. Et c'est vrai que ce matin c'était un peu difficile, mais bon, depuis le début de la reprise, on fait quand même beaucoup de ballons et c'est un peu normal de faire ce genre de choses. On arrive à tenir, mais c'est vrai qu'avec l'accumulation, ça va être un petit peu plus dur, mais bon, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut bien commencer le championnat et être toujours prêt physiquement, on est obligé de passer par là. Je connaissais déjà parce que ça faisait 2-3 années que je venais ici avec Sochaux et donc il n'y a rien de différent pour moi. Ouais, c'est un cadre sympa et de belles installations. Oui, c'est vrai. C'est juste à côté de Genève, donc c'est des endroits très calmes et très agréables à séjourner. Ouais. Dernière question, le programme pour toi aujourd'hui, là maintenant, c'est quoi ? Il va y avoir une grosse sieste peut-être cet après-midi ? Ah là, c'est manger dodo. Crever un peu. Hein. Ouais, quand même. Donc faut garder des forces pour tout à l'heure. Tu dois avec l'équipe, tu te trompes pas. Aïe, vas-y, vas-y, il joue avec les jaunes, il perd le ballon, c'est les bleus qui défendent. Il faut vite avoir la transition et être cohérent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un seul mec presse, il ne faut pas qu'il n'y en ait que 2 sur 6 qui pressent. De suite, on a perdu le ballon, on a la volonté de le récupérer le plus vite possible. Côté, Jack. Côté seul, Henri. Ça va, placez-vous comme il faut, les gars. Henri, comme il faut. Seul. Bah, il va avec. Attention, il faut déplacement. T'es seul, Nico. Voilà, écarte. Nico, t'es seul. On donne et on écarte. Donne, on écarte.
Mat, 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 retourne. Ça, Nico. Bien joué, le Doux. Allez, lâchez plus vite, plus d'agressivité quand on a perdu le ballon. Attends, attends. Calmez, en place, en place. Nico. Merci beaucoup à Olivier Faure pour toutes ces images tournées au cœur de l'entraînement des Girondins. Olivier Faure qui nous fait part quotidiennement de la qualité des installations et de l'excellente ambiance qui règne autour de ce stage à Divonne-les-Bains. C'est également ce que nous disent Florian Marange, Johan Gouffran et Fahine Bet-Kalfala, interrogés hier à l'issue de cette journée d'entraînement. Écoutez. Bon, ça se passe bien cette reprise. Ouais, ça va, c'est bien. Un super cadre, tout allait bien, les installations sont super, donc super condition pour travailler, donc c'est bien. Non, juste Johan, victoire des Orange. Ouais, victoire facile. Ah, de faire le malin, filmé. Victoire facile. Ouais. Il n'y avait pas photo. C'est qui le joueur de l'équipe? Ouais, avec un beau but d'Enrique d'ailleurs. Ouais, beau but, un peu de chance, mais beau but. Bon, on sent que ça se met en place progressivement, quoi. Ouais, ça va, ça va. Là, ça commence à revenir. Là, on travaille bien physiquement. Et voilà, dans 3 semaines, je pense que tout le monde sera bon. Ouais, ça y est, on retrouve les automatismes. Même toi, tu te sens bien personnellement? Ouais, ça va. Moi, j'ai les douleurs aux jambes, c'est passé. Après, c'est plus que le souffle. Donc voilà, mais ça va revenir. Ok, ouais. Merci Johan. Oh, ça va, ça se passe bien. Après, de là à dire qu'on aime les préparations, on va pas mentir. Il y a tout le monde déteste les préparations, mais il faut passer par là, donc c'est pas une période qui est facile. Mais non, ça se passe bien. En plus, ouais, physiquement, personnellement, ça se passe plutôt bien. Après, voilà, c'est qu'au début, hein. Il y a qu'une semaine, donc on verra ça tranquillement quand on va rentrer dans les matchs amicaux. On en saura déjà un peu plus. Ouais, mais psychologiquement, c'est toujours bien de partir du bon pied, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Et puis l'année dernière, pendant la préparation, j'avais pas mal de petits pépins avec le pubis. Donc cette année, j'espère que ça va aller. Puis c'est de préparer une bonne saison. Voilà, et ce stage à Divonne-les-Bains, il se conclut samedi par le premier match amical de l'intersaison 2012-2013 des Girondins. Un match amical disputé face à Nice. Coup d'envoi à 17h dans la station thermale voisine d'Aix-les-Bains. Et avant de refermer ce flash, cette toute dernière information qui concerne le centre de formation des Girondins. Le centre de formation des Girondins qui se classe 11e centre de formation des clubs professionnels de France. Un classement établi par la Fédération française de football et la direction technique nationale. Un classement dominé par Sochaux, Rennes et l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est maintenant la fin de ce flash. On se retrouve demain pour de nouvelles images exclusives en direct du stage de Divonne-les-Bains.